Shalom. Donc, on rentre à Teshuvah, chapitre 7, paragraphe 4. Hirurei Teshuvah, hem megalim et omek haratzon vagvura shel haneshama mitgala al yadam bechol milui hoda. Lefi godla shel Teshuvah, kach hi midat hacherut shela. Donc, tu vois, en fait, c'est des pensées. Pensées positives, pensées de remords sur le mal qu'on a fait, bonnes résolutions, d'où elles proviennent. Fait que ces pensées dévoilent la volonté la plus profonde de notre être, qui est notre âme, en fait. C'est-à-dire toutes sortes de volontés. Je veux manger du pain, je veux dormir, je veux m'amuser, ça c'est des volontés périphériales. Ça. C'est-à-dire que la volonté primaire qui est de dévoiler la vie dans toute son intensité, des fois, par erreur, on va dire, elle s'agrippe sur toutes sortes d'objets. Et en hébreu, un objet, ça se dit chefetz. Chefetz, ça veut dire aussi volonté. Mm-hmm. Ça veut dire... On dit aussi en français un petit peu voilà, l'objet de ma volonté. Le désir. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une force volontrice, qui est la force divine qui est en nous, qui a voulu qu'on soit, qui est apparue par l'intermédiaire de nos parents qui ont voulu nous mettre au monde. Et cette force volontrice qui se dit Ratson court en nous de manière constante. Ratson me tient la route. Et elle est censée faire avancer la vie et dévoiler l'intériorité la plus subtile de la vie, la dignité qui est en nous, et dévoiler, l'intensifier, etc. Mais par erreur, parfois cette volonté s'agrippe à des objets insignifiants. Celui de vouloir vivre à plein poumon, c'est-à-dire vouloir dévoiler le divin qui est en moi, et donc je ressens un manque de divinité en moi, et je ressens besoin de le combler. Donc, de fait, je ressens un manque, une certaine soif. Tzama nafi l'elchaï, je suis assoiffé de Dieu. Et je me trompe. Au lieu d'aller de me désaltérer avec la divinité, je me désaltérais avec une bouteille de Coca-Cola. La volonté s'est trompée, et s'est agrippée, c'est quelque chose totalement insignifiant, périphérial, qui n'est pas d'afka négatif, mais disons qu'il. C'est banal. Ça peut être malheureusement des choses négatives. Par contre, quand tu veux faire le bien, eh ben, ce n'est pas que par erreur, ta volonté s'est agrippée à ce qu'on a vu est périphérial. C'est l'expression la plus essentielle de ton être. Qui voilà, s'exprime là dans toute son intensité. Je veux faire le bien, je repousse avec dédain et dégoût le mal. Là, c'est l'expression la plus forte de mon âme. C'est ce que tu veux dire. Hirurei Teshuvah, ces pensées de Teshuvah, ne sont pas que de l'ordre des autres pensées qu'on connaît. Et Megalim et Omek Ratzon. Elles dévoilent la profondeur de notre volonté. Va Gvura Shana Neshama. Midgala Ledam Chol Milu Yoda. Il parle de Gvura, parce qu'il y a besoin de faire tomber toutes sortes de barricades qui empêchent un Neshama d'apparaître, très souvent. Toutes sortes de faiblesses, de tentations. Qui vont à l'encontre de la Neshama, et donc il pourrait l'empêcher de s'exprimer. Et voilà, là, elle a réussi à faire tomber tous les obstacles. C'est quoi Aliadam? Hein? Ah, c'est quoi Aliadam? Hirurei Teshuvah. C'est par l'intermédiaire de ces Hirurei Teshuvah, c'est la Neshama qui apparaît dans toute sa force, dans toute sa vigueur, qui réussit à. Ah, elle a réussi à passer tous les écrans, alors elle a utilisé la Gvura. Ça va demander beaucoup de courage et de force, de témérité, pour pouvoir faire tomber tous les obstacles qui l'empêchaient de s'exprimer, toutes sortes d'obstacles, de faiblesses, de s'accommoder mal, d'habitude, etc. Toutes sortes d'obstacles. Et là, elle a tout fait tomber, et elle s'exprime. Et elle apparaît dans toute sa splendeur. Il y a aussi Godla, chez la Teshuvah. Kachimida, Tachirou, chez la. Plus la Teshuvah est grande, plus cela dévoile la liberté de l'âme. L'âme, elle est toute libre, elle appartient au
divin qui est totalement libre. Mais malheureusement, elle est engouffrée dans ce corps qui l'emprisonne et qui très souvent l'empêche de s'exprimer en toute liberté. Et là, elle a réussi. C'est-à-dire, de là, il faut comprendre aussi ce qu'on a l'habitude de dire et de mal exprimer, de mal expliquer. On parle de comment on dit ça en français, le libre choix. Libre arbitre. Libre arbitre. Comme on dit ça en hébreu. Prira Roshit. Voilà. Ça ne va pas se mettre en hébreu. Prira Roshit. Prira Roshit. Qu'est-ce que ça veut dire Prira Roshit? Le choix libre. Libre. Les gens ont tendance à comprendre et expliquer de cette manière. Je fais ce que je veux. C'est que, voilà, j'avance. Tout d'un coup, j'ai une intersection. Possibilité d'aller à droite. Possibilité d'aller à gauche. Et je suis libre de choisir. À gauche, c'est le mal, sans aucune allusion politique. Et à droite, non, parce qu'on n'a pas droit, c'est bien des élections. À droite, c'est le bien. Et donc, et voilà, je suis libre de choisir. C'est comme ça que les gens expliquent. Ça, c'est la droite. Ouais, c'est inversé, là, c'est vrai. On s'en satisfait, tout l'inversé. Alors, je suis libre de choisir droite et gauche. Bien et mal. C'est une fausse explication. Kriya Khofshit, ça veut dire que l'homme a la possibilité de choisir la liberté. C'est ce qu'il a à faire. C'est-à-dire, ce monde est régi dans une relation de causalité, de cause à effet. Tout ça, c'est une cause. C'est-à-dire, tu penses que tu es libre. Voilà, j'ai envie de boire. Je bois, je suis libre. Mais quelque chose qui t'a causé de vouloir boire, c'est qu'il te manquait de liquide. Donc, il y a toujours une causalité. Donc, en fait, compte, tu te trouves dans un système, engouffré dans un système de causalité, et on pourrait penser que tu n'as aucune liberté. Et c'est comme ça que les scientifiques expliquent ce monde, que tout a une cause. Pas seulement au niveau de la matière, au niveau de la mécanique, mais on peut expliquer aussi comme ça les événements historiques, les bouleversements dans les sociétés, les révolutions. Il y a eu tellement de pression qu'il n'y avait pas d'autre possibilité d'immerger de ces problèmes qu'en faisant une révolution telle. Donc en fait, il y a une certaine programmation, un certain fatalisme, et tout peut expliquer de cette manière de causalité. Et en fait, tout ce monde-là est une prison horrible dans laquelle on ne peut pas s'en sortir. Déterminé. Et donc, je n'existe pas. C'est-à-dire, même quand je dis « je veux », ça c'est du bidon. J'aime, c'est du bidon. Toutes sortes de processus internes au niveau biologique, physiologique, même peut-être au niveau de la cellule, qui ont entraîné ce comportement, qui m'ont amené à faire agir de cette manière. Donc, va chercher où se trouve véritablement mon moi dans cette histoire. On dit je ne sais pas si véritablement j'existe. Donc, cette explication-là, qui évidemment, est, sans aucun doute, elle est vraie, parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde sans concevoir qu'il y ait une causalité, donc toute la science s'effondrait, toute notre emprise réelle dans ce monde s'effondre. Évidemment que la relation de causalité existe. C'est pour ça qu'on est toute la science. Mais le peuple d'Israël y a dévoilé, derrière cela, il y a une dimension. Une dimension de la morale, qui elle appartient au monde de la liberté. Ça veut dire, Yesh, Kavim Veigulim. Le monde de la causalité, c'est un monde rond. Ça tourne autour du pôle, on ne peut pas s'en sortir. Et il y a une droite qui nous permet de nous élever, de sortir de cette prison et de nous élever vers le monde de la liberté qui, lui, va, ne dépend plus de la causalité. C'est-à-dire, selon toutes les causes, ça aurait dû être de cette manière. Et voilà que tout d'un coup, les événements changent de sens. Parce que là, tu as fait intervenir une autre dimension du monde de la liberté. Histoire connue avec Rabbi Akiva, qui se tenait debout avec un astrologue. Astrologue, comme ça, enfin, celui qui voit l'horoscope. Mm-hmm. Il voit une bande de travailleurs hein, qui vont au boulot. Mm-hmm. Non, mais... Alors, cet astrologue dit à Rabbi Akiva, tu vois cet ouvrier, ce soir, il ne revient pas. Il est allé avec la bande à la forêt, ils vont coucher, ils vont faucher, il ne revient pas.
bien qu'ils veulent, on verra bien. Donc, ils attendent le soir, et voilà, au retour, ils reviennent sur ses pieds. Et c'est pas possible. Selon les prévisions de l'horologue, l'astrologue, il aurait dû mourir. Donc, bien qu'il va dire avant, on va l'appeler. Bonjour monsieur, qu'est-ce que ça fait de spécial aujourd'hui? De rien. Je fais une petite bite, le modeste. Non, non, sans blague, je comprends ce que tu as fait, dire bien. Rien, rien, il esquive. Donc, il fait tellement pression, bien qu'il va. Il dit, regarde, à vrai dire, regarde, tous les jours, toute la bande ouvrière, on fait une pause à midi, on mange tous ensemble. Chacun prend son casse-croûte, mais au lieu de manger chacun de son coin, on met une nappe par terre, on met tous la nourriture ensemble et on mange tous ensemble, c'est plus simple. Et tous les jours, il y a un responsable pour faire la distribution de la nourriture, etc. Aujourd'hui, c'est le responsable. Donc, je vais chercher de chacun sa gamelle. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui s'esquive, qui rentre. Donc, j'ai compris qu'il avait oublié d'apporter sa nourriture. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma nourriture à sa place. Et moi, je me suis astreint de manger. Comme cette personne s'est rendu compte qu'il manquait. Et c'est passé comme ça. Top. Je veux dire, bien qu'il va, tu peux m'ouvrir ton paquet là, que tu as dans le dos. Il y avait des branches qui avaient été coupées. Il voit, il ouvre. Il trouve un serpent coupé en deux. Wow. À quoi? Un serpent coupé en deux. Un serpent venimeux. Il lui dit à l'astrologue, tu vois, ce serpent, normalement, selon tes visions astrologiques, comme on dit, astrologique, il aurait dû le tuer. Cette œuvre de générosité qu'il a fait, l'a fait élever à une autre dimension qui a le dessus, surtout de la relation de causalité dans ce monde. C'est-à-dire, Mirtav Elohim, Charut al Aluchot, les paroles de Dieu étaient gravées dans les tables de la loi, dit Chazal, Altikra Charut et la Charut. Ne dis pas Charut qui veut dire gravé, mais Charut qui veut dire liberté. Quand tu adhères à la Torah, tu t'élèves à la dimension de la liberté. Tu sors de cette causalité, de cette prison, ce gouffre horrible de ce monde-ci, et tu peux changer les lois de la nature. C'est le miracle. Donc plus la tchouva est forte, plus en fait ça met en évidence le monde de la liberté de ton monde. Qu'est-ce qui fait que justement il dit quand? Ou c'est quand? C'est-à-dire, quand il y a des rouré tchouva, alors ça dévoile ça. Mais a priori, il devrait en avoir tout le temps. L'année Shama, c'est toujours la même, elle est toujours aussi forte. Les rouré tchouva, ils arrivent toujours. Faites à savoir si toi tu les acceptes ou tu les plantes. Et donc, c'est plus la gvoura de la neshama. C'est moi si je décide de le dévoiler ou pas. La neshama force, c'est du forcing. Et finalement, celui qui décide si on ouvre la porte ou pas, c'est moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, moi, que c'est dire la neshama? Non, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit, en fait, finalement, si ça s'est dévoilé, ça veut dire que la neshama, ça veut dire qu'on a vu la gvoura de la neshama? Non, l'apparition de cette liberté est la gvoura de la neshama. Dit, elle se dévoile à l'Iadam, c'est Yahweh Tchouva. C'est tellement fort et qui a réussi à me convaincre d'ouvrir la porte. Ah. Finalement, c'est moi qui ouvre la porte. D'accord. Ça veut dire qu'on est sans cesse assailli de Yahweh Tchouva. Reste à savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on leur plaque la porte-nez ou bien on les accepte avec amour? De la même manière, on est sans cesse aussi assailli de mauvaises pensées. Et ça provient pas de la Shama. Ça provient de sales types. Il y a des sales types qui cogitent constamment des sales pensées. Ces sales pensées se propagent. Ce sont des émetteurs de sales pensées. Et ils arrivent à ta tête et ils tapent à ta porte pour essayer de rentrer. Mais c'est à toi de leur flanquer la porte. C'est l'histoire. Vous savez que les chassidim aiment bien raconter des histoires. Ils font véhiculer les mêmes fondements de l'Emouna, mais avec une formule didactique différente, en racontant des histoires. L'histoire d'un chassid qui tape à la porte de son rébé à minuit, un soir. C'est pas tellement poli, mais il ne peut pas s'en poser cette question. Et il neige très très fort. Et le rébé ne lui ouvre pas la porte. Ah, vous savez, c'est le chassid, il ne pose pas de questions. Si le rébé agit de la sorte, sans aucun doute, qu'il y a une raison profonde. Donc il avance sous la neige. Il continue de taper. Vers 2h du matin, il a dû avoir une insomnie ou aller aux toilettes, le rébé.
Il entend du bruit, il sort de son balcon, il le voit en bas, il le regarde, il referme la fenêtre, il va dormir. Alors encore plus étonné, le rabbi m'a vite tapé, il m'a pas ouvert la porte. Et un secret kabbaliste. Donc il attend sous la neige, il devient ennemi de moi, une boucle de neige. Hop, le matin, il le réveille, sort à la synagogue. Il le rencontre, pas de savoir ce qu'il fout là. Mais j'ai une question. Je t'ai déjà répondu hier. Comment ça, tu m'as déjà répondu hier? Je n'ai pas posé ma question. Toi, vas-y, pose-toi ta question. Il dit, ben, Rabbi Rebbe, je suis tout le temps assailli de mauvaises pensées. Je ne sais pas comment faire. Et je t'ai répondu hier. Le maître de la maison laisse pénétrer dans sa maison celui qui bon lui semble. C'est simple. C'est clair. Donc, il y a des sales pensées qui te... Qui essaie de t'amadouer. De... Donc, toi, tu étais la seule pour ça hier. Je laisse pas rentrer. C'est bien. Tom, hé. Iné Niroé. Ech ha'avonot. Emandim kim chitsa neged aor abaïr el. Azoreach berov zahoro. Alkol nishama. Les marchichim ou ma'afidim et anishama. Qu'est-ce que ça veut dire? Après, il nous dit, je vois. Il dit pas, je comprends. Je vois. Je vois de mes yeux. Comment les péchés se tiennent comme un écran devant la lumière et la clarté divine qui rayonne de toute sa puissance vers toutes les âmes. Et ces écrans-là, ces péchés, assombrissent. Sombre islam. La lumière, en fait, de l'âme. Ça ne permet pas à la lumière de l'âme à apparaître, effectivement. Non, je vais un petit peu m'attarder sur ce qu'il dit, Ineni Roé. Sur le Rav, il ne dit pas, après avoir étudié pas mal de livres, j'en arrive à la conclusion qu'il en est ainsi. C'est bon? Oui, question. Question, Ingrid Samkha. On entend strictement rien. Ah. Comment ça se fait? Je parle plus fort, vous m'entendez? J'espère. Normalement, on verra bien. C'est bizarre. D'habitude, on entend. C'est la leçon? Oui, mais au maximum. Faites un signe, vous entendez? Tu me diras. On entend, c'est tout. Comment ça se fait? Top. Il n'y a pas de réponse. On n'entend strictement rien. Peut-être ça s'est changé peut-être au début. Hein. On verra. Top. Donc quand il dit il est néroé, il ne veut pas dire j'en arrive à la conclusion après avoir étudié toutes sortes de textes. Il dit véritablement je vois de mes yeux. C'est-à-dire le Rav Kook voit quelqu'un pécher. Il voit que dans l'atmosphère environnante de cette personne, il y a des écrans qui empêchent la lumière divine de l'éclairer. Comme on le sait, le Rav Kook, avec le Ruach HaKodesh. Ce qu'il dit là, ce n'est pas suite à une étude, mais à une vision mamash. Je vais vous montrer quelque chose. Mais il voit, c'est avec les yeux, ses yeux de chair et de sang. Comment c'est possible? Regardez, il y a une pisca dans votre Kodesh. Je vais vous montrer deux minutes. C'est assez bizarre. Est-ce que vous avez déjà vu un chapitre qui commence comme ça par trois petits points? Bizarre, non? Déjà, c'est assez curieux. Dans votre Kodesh, on sait que c'est un livre que le Rav Nazir a rédigé. Rav Kook a écrit tous les textes, mais c'est lui qui a mis de l'ordre. Donc ça commence comme ça, regardez. Sfiché nevuot, iné somprot. Voilà, des pousses de prophéties apparaissent. Ou venez neviim itororim. Et les enfants des prophètes commencent à s'éveiller. Ouach nevoa olech veshat baaret. Le vent de la nevoa voltige dans ce monde. Mevakesh lo miflat. Et se cherche un abri où apparaître. Doresh lo giborim. Il recherche ses enfants, mais les Isous et Kodesh emplis de force et de sainteté.
Et Médou les Khalkel d'abord, qui sont capables de l'exprimer, cette névoie. Ils s'approuvent les Tzniqel et Hachem, ils nous raconteront comment Dieu s'est dévoilé à eux. Loïchakrou et Loïchnefou, ils ne mentiront pas. Ils ne seront pas des hypocrites. Et Troucham et Mouna Yotsiou. Ça, je ne vais pas te dire, c'est assez long. C'est comme ça que ça commence. Depuis quelques années, il y a un nouveau livre qui est sorti, qui est allé récupérer les cahiers de Rav Kook. Donc il y a beaucoup plus ici qu'ici, parce que là, il y a un choix qui a été fait, et non pas seulement un choix, et de l'ordre qui a été mis, même des censures qui ont été faites, qui auraient pu choquer les esprits. Alors on cherche un piska, on voit comment ça commence. Okay. Alors... Alors voilà la même pisca, mais elle a quelques lignes avant. Alors comment que ça commence? Va'akshiv va'eshma mitoch ma'amake nishmati. Témoignage de Rav Kook. J'ai écouté, j'ai entendu du plus profond de mon âme, mitoch rikshel levavi, des sentiments de mon cœur, kol Adonai kori. La voix de Dieu m'interpelle. J'ai été stupéfait, effrayé. J'ai tellement chuté, je suis devenu un prophète mensonger. Les morts Hachem Shalahani, oserais-je dire que Dieu m'a envoyé? Et que Dieu ne t'a pas dévoilé à moi. Alors j'ai entendu le son de mon âme, en véhémence. Sfiché nevoot inet somprot. Là, ça commence. Donc, oui, donc le Rav Nazir a eu peur de choquer le public et a censuré ces quelques lignes. C'est clair. Nevoa, mâche. Il y a plein d'endroits où il a censuré. Mais alors, pourquoi il a pensé que c'est Nevoa Sheker? Pourquoi il a dit à Hachem, il ne s'est pas dévoilé à lui? Tu sais que Shmuel. Quand Shmuel, pour la première fois, a prophétisé, il dormait au Beth Amikdash avec Élie. Et Dieu lui a parlé. Il accourt chez son maître Élie. Tu m'as appelé? Non. Il retourne dormir. Encore une fois, il entend la voix de Dieu. Tu m'as appelé? Il était tellement modeste qu'il ne pouvait pas imaginer que lui, il est au niveau de recevoir le névoie. Et le Rav Kook, on sait que c'était quelqu'un de très modeste. On voit dans ses textes, il dit Prout erer kamoni, quelqu'un de non valeureux comme moi. Il ne dit pas ça pour faire la frime. C'est dans ses cahiers intimes qu'il écrit. Comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il dit mais la vie shaker, qu'est-ce qui m'arrive? J'entends des voix, je suis Jeanne d'Arc. Top. Ouais, bah, le roi à côté, c'est Marou. Tout le monde le sait. Donc, là, pourquoi il dit Hachem, c'est pas dévoilé à lui? Il a dit là. Il a dit. C'est une manière de dire. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il sait que c'est un dévoilement d'Hachem. Okay, mais comment oserais-je dire? C'est pareil, sans aucun doute, je suis un ami shaker. Je rêve, je dis n'importe quoi, etc. C'est incroyable. Donc, il dit, on voit aussi même dans Oroth. Dans Oroth, il dit. Je vois la lumière d'Eliaou qui s'élève. Eliaou Navi. C'est-à-dire, nous, on se promène en Eretz Israël, on voit des immeubles, on voit des champs cultivés, on voit des belles routes qui sont tracées. C'est tout ce qu'on voit. Mais lui voit que derrière ça, il y a la main d'Eliaou Navi qui est en train d'œuvrer, et il rencontre l'âme d'Eliaou Navi, Mamash. Il en parle dans ses écrits. Celui qui. Motse Shabbat, il parle de ça. Il dit celui qui prétend, Bichlal, vouloir comprendre quelque chose dans les secrets de la Kabbale, et celui qui a envie d'étudier les secrets de la Kabbale, d'abord qu'il sache que cette envie elle-même, qui n'est pas donnée à tout le monde, il y a des gens qui ont envie de manger des glaces et des gaufrettes. Lui, ce qui le manque, c'est les secrets de la Kabbale. Mais une telle personne qui a le sage déjà, que si elle a une telle envie, c'est tout simplement Gilou Eliyahu. C'est déjà un dévoilement d'Eliyahu. Et donc, pour pouvoir véritablement comprendre le secret de la Kabbale, eh bien, il faut se comporter comme un Eliyahu.
Et qu'est-ce que fait Elion Navi tout le Motsé Shabbat? Yoshev Tahat Etz Hayim, le Moné Zechuyotem de l'Israël. Il est assis sous l'arbre de la vie et il compte les mérites du peuple d'Israël. Parce que Elion Navi, durant sa vie, il était assez rude envers les Juifs, critique. Catégorique. Voilà. C'est par amour fou du peuple d'Israël, il ne peut pas supporter le moindre défaut. Et donc, à un certain moment, il dit Britra et Ferou, Dieu, ils ont annulé ton alliance. Et bien, tu seras témoin et tu seras présent dans toutes les britotes. Donc, il y a le bisoum de Elion Navi. Donc, c'est quelqu'un qui, au contraire, maintenant, ne fait que compter les aspects positifs du peuple d'Israël. Donc, Motsé Shabbat, la première des choses qu'il fait, il commence à compter tous les bienfaits que le peuple d'Israël a fait durant cette semaine. Donc, le Rav Kook préconise à tous ceux qui ont une envie d'étudier la Kabbalah, qui ressentent un profond désir, pas une curiosité. C'est ce genre de curiosité, il appelle ça Maleitim et Tatsma Merimze Kabbalah. Il y a des gens qui se goinfrent de toutes sortes de curieuses de la Kabbalah. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une envie incontournable. C'est-à-dire, sans ça, tu te sens, tu perds ta raison d'être. Alors, celui qui a ça en lui, il préconise le Rav Kook, mais que lui aussi se comporte de la même manière qu'il doit la vie, et que Moshe Shabbat, dès que sort Shabbat et qu'il fait l'Abdallah, qu'il s'assoit avec lui-même, qu'il réfléchisse un petit coup, qu'est-ce que l'Israël a fait de beau cette semaine? Il compte les scrupules du peuple d'Israël. Et ceci le rend encore plus apte. On fait tous les jours aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et tout le top qu'il y a. Il faut y penser, il y en a qui sont des mouches. Ça, c'est quoi les mouches? Quand il y a une super salle, super asticotée, la mouche, elle vient, whoop, juste sur la petite soldée qu'elle a trouvée dans la salle. C'est les journalistes, des mouches professionnelles. Ils cherchent les grains de saleté dans toute la beauté du peuple d'Israël aujourd'hui. Donc il ne faut pas tomber dans cette déviation, dans ce panneau. Tu risquerais d'accourir par curiosité, aller ouvrir tout de suite l'ordinateur et lire Ynet pour rencontrer toutes les saletés qui ont été faites et mises en évidence. Alors, on reste avec toi 22 minutes et réfléchis sur toutes les choses positives que l'Israël est en train de faire cette semaine. Et c'est ça qui te rend encore plus apte à comprendre les secrets de la Kabbalah. Ça s'appelle Gilou Eliyahu. Cette envie elle-même est Gilou Eliyahu. Il y a toutes sortes de niveaux de Gilou Eliyahu. Gilou Eliyahu, ça peut être justement par cette envie. Ça peut être par une volonté de faire surhumaine, des fois, d'établir la justice dans ce monde. Ça peut être par une compréhension brillante. On voit dans le Mara, Sahli Eliyahu. Elion Ali m'a chuchoté dans l'oreille, c'est une manière de parler. Ça veut dire, il hésitait à trancher de cette manière, tout d'un coup il sent de manière absolue que c'est comme ça qu'il faut trancher. C'est une intervention d'Elion Ali dans ton intellectualisme. Il y a une intervention de l'âme d'Elion Ali dans ton sentiment. Tu ressens un sentiment très fort pour l'Israël, qui t'amène à sangloter parfois. Et bien c'est pareil, c'est que l'âme d'Elion Ali, mitmazeget, elle se mélange à la tienne. Maintenant, il peut arriver que l'âme d'Elion Navi se mélange à toutes les âmes de la génération. Je ne sais pas comment on dit, mais Mazek, c'est-à-dire, elle devient uniforme. Déversée. Elle se compose avec l'âme de toutes les générations. Et Elion Navi, c'est quelqu'un de canaille. C'est-à-dire canaille. Jaloux. Positif. Vengeur. Hein? Vengeur. Positif. Vengeur. Vengeur. Non, mais ce n'est pas dans ce sens. C'est-à-dire, ou canaille les gvots d'Israël. Il ne peut pas supporter de voir que le peuple d'Israël est rabaissé. Il veut que l'image de marque d'Israël soit en haut. Donc, quand il voit, je ne sais pas, qu'ils sont en décadence, c'est-à-dire, il est tellement amoureux du peuple d'Israël, il veut le bien du peuple d'Israël, que c'est pour ça qu'il réagit avec fureur. Donc, cet esprit de canaoute, les tovas d'Israël, se mélange à l'âme des individus du peuple d'Israël dans cette génération et les amène à s'élever à la tendance nationale. Le fait que les Juifs, aujourd'hui, veulent le bien de la nation, ce n'est pas par hasard. C'est « Ineni sholach lachem et Elion Navi, lifne boyam Hashem agadol anora ». C'est-à-dire Elion Navi précède la venue du Mashiach, c'est lui qui intervient dans les âmes et qui a une action psychique sur les Juifs, qui les amène à vouloir s'élever à cette tendance à faire le bien de la nation. Donc nous, on sait le dire et le comprendre une fois qu'on l'a lu. Mais lui, tout simplement, il voit l'âme des biens de la vie qui se promène.
et qui est mêlé à toutes les autres âmes. C'est-à-dire, il se promène en Eretz Israël, dans son calèche, et il va à la rencontre des Kibbutznikim. Alors les autres, dans le calèche, ils voient, je sais pas, des fleurs qui poussent, et des oranges, et ils sont bien contents. Et lui, il voit dans toute cette action, et les travailleurs dans le terrain, ils voient l'âme de l'Élanévi qui se balade entre eux, qui les envoûte, et qui les motive. Il n'est ni rouet, or il y a pour être sur lui. Il partage avec nous ce qu'il voit. Et là, c'est pareil. Il n'est ni rouet, donc je vois. Echabonot, comment les péchés? Et mon dim ke mechitsa. C'est pas quelque chose de. C'est un symbole, il faut pas. C'est un manque de d'obéissance. C'est pas sympa ce que tu as fait. Malach ma, malach ra, tu te crées un sale ange qui t'empêche d'accéder au divin quand tu fais une avère. Mechitza negadaor abayir, devant la lumière, la clarté divine. Azorar perov zaravot racha, qui cette clarté normalement rayonne de toute sa force sur toutes les neshamot. Donc, dans l'exemple des ballons, alors comment on fait quand on fait tchouva? L'écran, qu'est-ce qui devient? Il disparaît. Ah, mais on doit garder le ballon. Le ballon, il reste. Toi, tu n'es pas obligé de rentrer dans le Meshalim. Non, non, les Meshalim, ils sont là que pour les jeter à la poubelle. Parce que je dois compter que cet écran... Tu n'es pas obligé de rentrer toujours dans les mêmes Meshalim. Il ne faut pas tomber dans le panneau de rester coincé dans les métaphores. D'accord. Non, mais l'écran... Ça t'a aidé à comprendre que rétroactivement, tu as un impact sur tes je mets de côté actions, les ballons, sachant que l'essentiel de l'action, c'est la pensée qui y était. Dans les ballons, tu les fais tous exploser, tu les fais sortir de ta tête. Je les enlève les ballons, mais je veux garder l'écran avec moi. Parce que j'ai compris que j'ai fait une avéra, j'ai fait un écran. Maintenant j'ai fait tchouva. Je veux compter une bonne action. Comment je vais compter cet écran bien? Si tu veux, je te crée de suite online un nouveau machal, cet écran devient une loupe. D'accord. C'est-à-dire qu'il intensifie la lumière divine au lieu de la bloquer. D'accord. C'est-à-dire très bien, je préfère. Comme on dit, une image vaut mille mots. À vos temps perdus, quand vous attendez le train, inventez-vous des méchalim. Ça aide énormément à expliquer aux gens. Donc, v'emarchichim ou ma'afilim et taneshema. Donc, ces écrans-là assombrissent l'âme. Archav. À Teshuvah, quand on rentre dans cette démarche de Teshuvah, de repentance. Omna ma'afilo otashi marchavit ma'alma. Même la Teshuvah qui n'est qu'au niveau de la pensée. C'est-à-dire, tu n'as rien fait au niveau de l'action. C'est-à-dire, tu as volé de l'argent à quelqu'un. Ou bien tu as blessé quelqu'un. Et tu as des remords. Tu n'as rien corrigé, tu n'as pas rendu son argent. Tu ne lui as pas demandé pardon public. Tu n'as rien fait encore. Tu n'as fait que penser. Alors c'est teshuva. Même quand on l'est seulement encore au niveau de la pensée. Gami pour aller teshuva gedola. Déjà, elle a une action de salut très très forte. C'est-à-dire qu'elle commence déjà à faire tomber pas mal d'écrans. Aval, il dégoula shlema, bah, neshama, dafka, l'idée, au tsala poil, et t'as tu vas chez Bekor. Si tu veux arriver à une délivrance totale de tous ces écrans, faire tomber à terre tous ces écrans, ben, il faut mettre à l'œuvre ta teshuva. C'est-à-dire, d'un côté, ne dédaigne pas tes pensées de remords, disant que, de toute manière, j'ai rien fait, ce n'est qu'une pensée. Non. Cette pensée est très importante, elle a déjà déclenché un processus très positif. Et a fait tomber pas mal d'écrans entre toi et Dieu, ce qui fait que, déjà, la lumière de Dieu te pénètre davantage, te renforce, et te donnera la force d'accomplir ça au niveau de l'action. C'est clair? Mais, sache que si tu veux totalement faire tomber ces écrans, eh ben, il faut concrétiser tes pensées. Au Mikol Makom, quoi qu'il en soit, Kevansha Rayon Kashur Legusha. Le mot rayon en hébreu qui veut dire a priori penser, mais se rapproche du mot ra'ava en araméen qui veut dire volonté. C'est-à-dire c'est une pensée très très forte. On va appeler ça une inspiration. J'ai une idée fixe. Pas forcément une idée fixe, une idée simplement. Rayon de la notion de ra'ava. Ra'ava ça veut dire une volonté. Ça veut dire le misoug entre une pensée et une volonté, ça se dit en français pour une aspiration. D'accord. Une aspiration. J'ai une envie de. Voilà.
J'ai un élan de... une pensée très forte qui me fait vouloir. C'est ça. Et comme la com, Kevan, dès que ce rayon, cette aspiration forte, Kachou le Gusha, est lié à la sainteté, ou le refait de cette échouva, au désir de la échouva, elle m'en est fatale. Et crainte de rien. Ça veut dire, si tu sais que cette volonté a germé fortement en toi, c'est dans la poche. Ça veut dire, c'est dans la poche, regardez. Vadaï, et là tu as une aftacha qu'on est, une promesse du Rav Kook. Vadaï, Yasmin, Hashem, Itbarach, et Kol Adrachim, Shatshuva, Gomura, Amirat, Kol Amarchakim, Yorhaya, Inekiat, Eledam. Dieu va te faire accueillir tous les moyens de concrétiser cette aspiration. Bien que tu lui dis, mais je ne vois vraiment pas comment je vais me sortir de cette galère, je n'ai pas. Je vais voler 100 000 dollars. Mais je n'ai pas l'argent, j'ai bouffé tout l'argent, je n'ai plus rien. J'ai aucune chance de lui rembourser de toute manière. Alors à quoi bon y penser? À quoi bon avoir des remords? C'est ça de l'hypocrisie, de toute manière, je ne pourrai jamais le rembourser. Tu te gourdes, un fou. L'argent que tu n'as pas, c'est vrai. Mais penser, ça ne coûte pas d'argent, d'accord? Tu es capable de penser. Tu es capable de penser très fortement. Avec une aspiration très très forte. Si tu arrives à ce niveau, promesse que Dieu t'aidera à trouver les moyens de traduire ça au niveau de l'action. Donc travaille sur cette pensée. Ne te bloque pas cette pensée en disant, de toute manière, elle ne mène à rien cette pensée. Alors pour arrêter hypocrite, j'arrête tout de suite. Des fois, on a tendance à rejeter des pensées parce qu'on sait que de toute manière, ça va aboutir à rien. C'est une fausse démarche. C'est l'ichora, a priori, c'est une pensée qui vient d'une droiture. De te dire, bah, pour être mon menteur, pour être hypocrite, de toute manière, ça ne mène à rien. Donc, je ne vais pas me la jouer. Je repousse cette pensée, je rejette ça dans mon subconscient. C'est une erreur, c'est une démarche totalement erronée. La pensée, tu es capable? Investis toute ton énergie dans cela, dans cette pensée. Un remords profond, des résolutions très très fortes, et de dire que si ça ne tenait qu'à moi, si j'avais l'argent, je lui rendrais tout de suite. Mais je n'ai pas d'argent. Alors maintenant, Dieu, tu débrouilles. Trouve-moi une solution. Moi, j'ai fait le maximum que je peux. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu en es à ce niveau, promesse de Rav Kook, ça se fera. Regarde. Et quoi le macon? Kevan Sharayon Kashur Likdusha. Donc, ce n'est pas juste une pensée rayon. C'est rava, c'est une volonté très forte. Lorsque cette volonté est liée à la sainteté et au désir de la teshuvah, en malefaret klal. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Vadaï, sans aucun doute. Yasmin, Hashemit Barach, et Kol Adrachim. Dieu va te trouver tous les moyens. Shat teshuvah, Gmura, Ameira, Teranchikim, que la teshuvah parfaite, qui elle, éclaircit tous les ténèbres, c'est-à-dire qu'il va faire tomber tous ces écrans qui te mettaient dans les ténèbres, il éclate à les dames avec lesquelles tu pourras les accueillir. Ça peut être dans toutes sortes de situations complexes, des fois, je ne sais pas, tu es vexé quelqu'un et tu n'oses pas, tu n'as pas la force du don de pardon public. Il faut avoir une force de, pas très simple de don de pardon public. Et là, tu es avec quelqu'un, etc. Alors, tu as des remords très très forts, mais tu n'oses pas. Allez. Dieu va trouver une combine, un beau jour, je ne sais pas, tu vas te retrouver face à face avec lui, et je ne sais pas comment tu vas dire pardon. Et il va dire je te pardonne. Ouf, j'avais un fardeau sur le cœur depuis 30 ans, et comme ça, ça a disparu comme ça en un clin d'œil. Dieu m'a rentré dans une situation plus facile. Ça marche. Il faut le vouloir très fortement, et ça se fait. Vada et Kola marche. Ou Kfi Godel Erka, j'ai la déjouva. Plus la teshuva elle est forte, car Torah mitbarechet. Ainsi, ta Torah va se bénir. Qu'est-ce que ça veut dire? Vioter et mitbarechet. Mitbarechet, machon berecha. Berecha, c'est une piscine, c'est une source. C'est-à-dire que tu vas être alimenté de plus en plus de Torah. Parce que quand il y a des écrans, la Torah ne vient pas à toi. C'est Dieu qui nous enseigne la Torah. Je crois que c'est nous qui comprenons tout seul la Torah. Nous, on ne fait que s'amuser avec les lettres Kodesh. Et à travers ces lettres, Dieu fait véhiculer son explication et qui vient vers nous. Mais s'il y a des péchés, eh ben, ça ne passe pas. Quand tu rentres dans un tunnel, tout d'un coup, tu n'entends plus la radio. Les ondes ne passent pas. C'est le péché. Et dès que tu enlèves les péchés, alors tu as des tonnes d'ondes qui arrivent. Donc en quantité, tu ressens plus de Torah de Dieu. Et en qualité, tout se clarifie.
Il y avait pas mal de souviotes qui étaient très, très floues, qui n'arrivaient pas à comprendre. Mais c'est à cause des fautes. Il dit le Chesed l'Avram, sa bouche est la Hida, le grand-père du Hida. Kol Kushia, il chète. Comme ça, il dit. Toute incompréhension de la Sugia découle d'une Arvera. Donc il préconise à l'Echatrila. Il est en train d'étudier la Sugia, tu ne comprends pas. Sans envie, tu veux. Et plus encore, si tu peux, lève-toi, faire un Lazdaka. Il est rassé de l'Ishmael. Il raconte même qu'il y avait un rabbin qui donnait un cours de Gemara. Donc les élèves préparaient la Sugia. Donc ils débarquaient. Et les élèves disaient, monsieur le rabbin, j'ai cette question, tout. Il a saillé, c'est une question. Il a calmez-vous. Et il lisait le texte. Et tout d'un coup, toutes les questions sont dissous. Il n'y a plus de questions. Tout s'est clarifié. Les questions découlaient du fait qu'ils avaient d'Arvérot. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu comprendre. Lui, il descend Arvérot. Donc le flux arrive. Après, de son niveau, il peut leur faire passer plus facilement. Ils n'ont pas la force d'accéder aux hautes émissions de. Des hautes ondes, parce qu'ils ont d'arabes et lui, il a fait descendre ça à leur niveau, et hop, toutes les questions disparaissent. Donc, « Figodel erka la teshuvah » selon la grandeur de la valeur de la teshuvah, « Kachat Torah midwarechet » c'est-à-dire au niveau de la quantité, « Vioteri midwarechet » au niveau de la qualité, tout s'éclaircit. « Valimud na'asat tzachubayir » l'étude devient claire. Et c'est ce que dit le pasouk, ça le rafkouk dit le pasouk, Lev nishbar v'nitke, Elohim lotivze. Si le cœur est brisé à force de remords de teshuvah, alors Dieu ne va pas lui faire honte, le dédaigner, c'est-à-dire le faire honte par une incompréhension de la Torah. Il le réjouira de la compréhension de la Torah. Un cœur brisé, tu comprends mieux la Torah. Le limud Torah, ce n'est pas la teshuvah par excellence? Le fait que j'étudie, j'enlève un maximum d'écrans, je me rapproche. Tu essayes, mais il y a des écrans. Quand j'étudie, tu manges du porc et tu étudies le Gemara. Non, mais je ne fais pas en même temps. C'est forcément que quand je suis en train d'étudier, j'ai arrêté tous les avérots, c'est ça que je veux dire. Non, tu vois bien que non. De fait, pas tout ce qui est étudié la Torah non plus l'avérot. Non, mais au moment où j'étudie. Peu importe au moment où tu étudies. C'est ce qu'on a expliqué que ça présente, que le péché est une partie intégrale de ta personnalité. Ça ne se trouve pas sur les rails, toi, à 10 km derrière toi. Si on revient en ballon, il est accroché à toi. Il se trouve là, le péché. D'accord, c'est une partie de ton. Et quand j'étudie, je ne change pas les intentions, je ne suis pas en train de nettoyer, je n'enlève pas les écrans, je ne fais rien. Non, tu peux avoir de bonnes intentions, mais tu as péché, et tu n'as pas eu remords de ce péché encore, donc il existe en toi. Et quand j'étudie, ça ne va pas entraîner le remords? Non. L'âme d'Afka. Amaran, c'est Barman Zéro les moutards. De manière générale, ça s'appelle la médecine holistique. De manière générale, tu as saigné tout ton organisme. Mais malgré tout, il y a un endroit dans le corps, il y a du cancer. Il faut faire de la chimiothérapie, le faire partir, ce cancer. Donc il faut une chouva mechouvenes contre les chataïm. Si tu ne te rappelles pas des chataïm, c'est comme il frotte à Tarad Nedarim. Quand tu as un éder spécifique, ça ne sert à rien de dire qu'on l'hydré pour les mouler. Il faut dire spécifiquement le néder. Quand tu ne sais pas, alors tu dis Dieu, tu te débrouilles. Moi, je dis qu'on l'hydré. S'il y a un péché que j'ai oublié, ou un truc, un peu que j'ai oublié, tu le fasses. Clair. Comme si, par exemple, tu as vexé 10 personnes spécifiques et tu les connais. Tu ne peux pas rentrer dans la salle. Messieurs, dames, je demande pardon à tout le monde. C'est trop facile. Tu l'as vexé en public, je demande pardon à tout le monde. Vous avez déjà des fois comme ça, il n'y a plus en kibbour. Mechila, mahalo, mahalo, mahalo. Il sait très bien que le mec à côté n'est pas supporté. Ils sont en aide depuis 10 ans, etc. Mahalo, mahalo, c'est du bidon. Tu dis mahalo, mahalo, c'est pour les gens que tu ne sais pas, spécialement les gens que tu les as vexés, etc. Au cas où. C'est pas le zlobimkom. Dans la même optique, cette piska. Rohim anu bechush. Voilà, encore une fois. On voit avec nos sens. Là, on comprend. Echavonot et Mechitzot. Comment les péchés sont des écrans. C'est la meilleure traduction qu'on a, Mechitzot, pour exemple. Pas mieux? Non. Mechitzot, on appelle la Mechitzot. Un paravent? Paravent. Ouais. Un écran. C'est encore moins bien.
Il vaut mieux pas, on mérite ça. Donc on voit de nos sens. Séparation, mérite ça. Rotset, non ? Ok, rotset, c'est quelque chose qui sépare, c'est un écran. Et Ravonot, comment les péchés réalisent un écran ? Mavdilot, benenu ou ben aor, shela saga, avir. Qui nous sépare, c'est-à-dire qui sépare entre nous, et la perception de la lumière et de la compréhension le plus clair. C'est-à-dire comment se réalise un écran qui nous empêche de comprendre la Torah. Pas seulement la Torah, de comprendre Bichlal, tout ce qui se passe dans ce monde. Tu es aveugle. Il y a énormément de choses positives dans ce monde, mais tu es de la cataracte, tu vois tout en gris. Tu vois tout mal. Il y a des gens qui sont pessimistes dans l'âme. D'où ça provient? Des Hadaïm. Au côté. D'où vient toute cette tristesse? Côté de même cher. Et voilà, tournez la page, je me suis rappelé. Pérécrète, Pisca d'Alet. Les gens. Deux pages. Amers, aigris, sont toujours en voir en noir tout ce qui se passe dans ce monde. Vous allez demander à vous, regardez, Pérécrète, Pisca d'Alet. Maou mekor arougzach al rechaïm. Pourquoi les rechaïm sont toujours énervés? Maou aketsef al orlangoul. Ils sont si remplis de tonnerre, de nerfs. Contre tout le monde. Quel offrement de la tristesse si amère. Qui dévore la chair et l'esprit. Qui emplit la vie de poison. Qui est en eux. D'où provient cette source si corrompue? Avec toute assurance. À nous, Meshivim Alzé, nous répondons, Mimekor Richa Kozanové. Tout ça provient de la Richa. La Richa, elle est autodestructive. Elle te détruit. Elle te rend un sale type pourri de l'intérieur, qui voit tout mal, tout pessimiste, etc. C'est Yetzirara. Okay. Yetzirara qui a été mis à l'œuvre, qui a fait des péchés. En fait, il se haït lui-même. Mais c'est plus facile d'haïr les autres. Ça fait mal de se haïr. Ouais, c'est un chêne, se rentrer la tête dans le mur, ça fait mal. Et donner un coup de pied à sa femme, ça fait moins mal. Ses enfants, ses gens qui travaillent à côté de lui, tous les êtres avec qui il est en contact, c'est, il défère toutes ses frustrations sur les autres. Ils sont contre tout le monde. Tout le monde est tordu. Il y a l'état de tir, il est tordu. C'est tous étordu. C'est lui tordu en fait. Donc il voit tout mal. L'âme, il a un mal d'âme. L'âme n'arrive pas à s'exprimer. Qu'elle souffre, elle hurle de souffrance. Et il a l'écoute de cet hurlement de souffrance. Et donc il souffre et donc il hurle. Il hurle sur tout le monde. D'accord. Pourquoi elle dit nous voyons avec nos sens? Va chercher dans les textes et voir qu'il y a l'Hiro et Védesta. Très souvent, le Rav Nazir, il a marqué Aouma Roa. Tu vois dans le texte un Hiro. Oui, c'est un nom de noblesse. C'est pour dire qu'il n'y a pas que lui, pour pas justement dire qu'il voyait tout lui, en fait. Comme un Kadosh Baruch Hu, on a assez Adam et Salmen, faisant un nom de notre image. On les met dans la main. Donc, oui, on voit bien dans notre sens comment les péchés réalisent un écran qui nous sépare de cette lumière, de cette perception claire, de cette capacité de perception claire du monde, de la Torah. Velo avonot ayachid levad. Ça, c'est le chidush. Pas seulement les fautes de l'individu, la gamme avonot aklan. C'est pas juste, dirait Calimero. Moi, j'ai rien fait de mal. Ouais, mais tu vis dans une société et tu es partie intégrale de cette société. Et quand ces sociétés fautent, eh bien, toi aussi, tu es imbibé de cette faute. Ça veut dire, lorsque, malheureusement, le gouvernement d'Israël a décidé de faire ce péché impardonnable, de donner une partie des rites d'Israël aux Palestiniens à Gaza. Ceci a entraîné que énormément de Talmidei Chachamim, dès ce jour, comprennent moins la Torah. Mais pourquoi il n'y a pas la marche? La marche, c'est la marche. C'est une des fautes. Disons que le gouvernement décide demain, je ne sais pas, de... Non, mais sûr, mais toutes sortes de choses, par exemple, de faire un défilé des homo-lesbiens au cœur de Jérusalem, au cœur de Tel Aviv, peu importe, avec l'approbation de l'État d'Israël,
tous les Talmidei Chachamim de la génération sont affaiblis dans la perception de la Torah. C'est Hadadi. Parce que quand l'Israël Revim s'est basé. Nahon, alors pourquoi justement tous les rabbinim qui étudient n'influencent pas le gouvernement à choisir. D'outil, c'est qu'ils n'influencent pas. Ils ne font que ça toute la journée. Non, justement. Et encore, vous dites qu'ils les écoutent. Tu ne peux pas les forcer à écouter. Tu ne peux que essayer de convaincre, essayer de séduire. C'est la seule arme que tient en main aujourd'hui, c'est ton stylo. Aujourd'hui, on est plus moderne, c'est ta Mikledet. Je ne vous dis pas physiquement. Ce que vous avez parlé, ce n'est pas physiquement, c'est spirituel. Ah, eux, aussi, ils ont fait. Aussi, ils ont une influence spirituelle. Alors, comment arrive le gouvernement à choisir un truc comme ça? Mais parce, si que c'est Hadadi. Parce que les forces maléfiques et les péchés sont plus volumineux. Ils sont. Une petite minorité de vitamines et des tonnes de poisons. Et grâce à cela, on est dans une très bonne situation. S'il n'y avait pas toutes ces forces de positivité, de toute l'étude de la Torah et des chassadim que tout le peuple d'Israël fait, etc., on serait en mauvaise position. Ça racole, grosso modo, on est en très bonne position. La tendance est positive. Elle est très positive et elle va grandissante. Donc soyons optimistes, soyons réalistes plus ou moins. L'interdit, tout est en bonne route. Mais qu'on sache que quand il y a des fautes qui sont, on peut dire, bah, ça peut me faire. Moi, je suis dans ma maison, j'étudie la Torah, je promène dans le migré tous les jours. Je suis immunisé. Non, mon pote. Tu es une partie de ce corps. Et si le poison se propage, il arrivera dans même le plus petit doigt de l'orteil ou du pied, et tu seras toi aussi empoisonné. Oui, mais si ça lui arrive, comme vous avez dit, à son orteil, c'est parce qu'il a quand même des ratayim. S'il nettoie tout, alors forcément le gouvernement... On parle de l'individu. L'individu. Si lui, il nettoie tout, c'est que forcément le gouvernement, il va changer. C'est pas en lui seulement, mais il n'a pas la force de tout changer. Mais on a tu reviens que Moshe Rabbeinu qui était, je sais pas, le géant de toutes les générations, à côté de lui, ils ont fait le veau d'or. Bien qu'il est Shakul, qui est né pour l'Israël. Mais c'est que lui aussi, il a eu un petit quelque chose qui a fait que, c'est normal. Ça veut dire que. C'est Hadadi, c'est pas possible qu'il y ait imparfait et que le parfait, il subit. Il subit ça pas. Dire, c'est que lui dire, aussi, il n'est pas parfait. Ils n'ont fait que le veau d'or parce que Moshe Rabbeinu est à côté d'eux. Tu comprends? S'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu avec toute sa puissance de sainteté, il serait tombé bien plus bas. Ah, c'est pas que tout le monde a une petite partie de tout? Pas toujours. Des fois, lui, il est totalement propre dans ce domaine. Dans d'autres domaines, il a aussi ses faiblesses. Dans le domaine d'Avodah Zarah, je ne pense pas que Moshe Rabbeinu ait un problème. Il n'y a que dans d'autres domaines. Tout le monde est parfait. Et malgré tout, il n'a pas pu arrêter. Dans d'autres domaines, tu vois bien qu'il n'a pas réussi à faire entrer sa génération en Eretz Israël. Lui aussi ne rentrera pas. Responsabilité collective. Pas lui rentrer, sauver sa peau, alors qu'il n'a pas réussi à hisser à sa génération, à aimer suffisamment Eretz Israël. Ils ont pleurniché, ils ont commencé à se lamenter, etc. Donc il attend avec eux dehors. Lorsque tous font tu vois, et tu vois ta mishka, c'est-à-dire face à cette faute, gravissime, du dédain d'Eretz Israël, il faut intensifier l'amour d'Eretz Israël. C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est-à-dire, eux, ils sont allés de tente en tente pour démoraliser. Il n'y avait pas, c'est une bande de fous, aucune chance, on va se faire bouffer par ce géant, etc. Une poignée de sales types ont décidé de démoraliser toute la nation en faisant du colportage de maison en maison. Eh bien, tu vois ta mishkan. La tchouva qui va faire rebalancer la balance de l'autre côté, c'est de faire exactement la même chose. On doit faire du colportage positif et d'aller de maison en maison, de taper de porte à porte. Aujourd'hui, ça se fait grâce à l'Internet, mais à l'époque, c'était du porte à porte pour leur expliquer la beauté d'Israël, la grandeur d'Israël, la sainteté d'Israël. Et cette faute, c'est une faute chronique dans le peuple d'Israël. Et le Gan Mivina, il disait, faites attention à la fin des temps, le Yetzara par excellence sera ça. Le dédain de l'Israël. Faites gaffe, il prévient le Chachamim. Faites gaffe ne pas tomber dans le piège. Vous risquerez, vous aussi, de tomber dans le piège et d'arriver au dédain de l'Israël et d'inciter les Juifs à ne pas monter en Israël, etc. etc. Voilà. Top, terminons la Pisca. Velo avonot ayechid levad, non seulement les péchés de l'individu, et la gamme avonot aklan, les péchés aussi du collectif, de la société. Au Mikol Makom, En Kolze Me'akev.
Ça veut dire, c'est vrai que ça réalise un écran, mais c'est jamais fermé hermétiquement. C'est-à-dire, Gabrul Gadola, avec un renforcement, un grand renforcement, Zohrim Nishuva. On peut quand même faire tomber tous ces écrans, ou les tikkun, ou les hippour, un renversement de situation. Procher l'or, c'est comme ça qu'on peut transformer l'obscurité en lumière. Mais même au niveau de la Torah, qu'on a dit tout à l'heure, si dit le chesed d'Abraham, que toute kushia est une avera. C'est-à-dire que toute kushia est une résultante d'une avera. Donc tu peux corriger ça à la source. Si tu te rappelles d'une avera spécifique et tu as des remords, et donc ça va enlever l'écran, tu vas comprendre. Ou bien tu peux aller au rosaire. C'est-à-dire que tu te casses le crâne à démanteler la kushia et comprendre le Tosfot malgré toutes les difficultés. Et ça va donner marqué Or le Achor, Vezé Yavetchouva. Vezé Tchouva, c'est Talmide Haramim. Car on peut même chef. Talmide Haramim, il peut faire Tchouva par l'étude même de la Torah. Ces couchiottes-là ne sont que des symptômes de la revirose. En s'occupant d'une réfoua symptomatique, nous avons dit, ça va à l'arrière récupérer la source même de la maladie et enlever la revirose. Mais ça, c'est seulement pour les grands talmidei chachamim. Ou quelqu'un qui a plus de Torah. Même s'il n'est pas grand talmidei chachamim, mais vraiment, il a réussi à aller acheter ta couchia. Ça veut dire qu'il l'a fait. Parce que si la kushia elle est avec une khataïm et qu'après il arrive, il a étudié 3-4 jours, finalement il n'a plus cette kushia. C'est-à-dire qu'il a, il a cassé cet écran de. Et s'il avait fait tchouva, en 3 minutes il aurait compris. Oui. D'accord. Tov, comme tout. J'espère qu'ils ont entendu quelque chose.